Yo tout le monde, c'est fini, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Bon, bah, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, parce que avant, en fait, j'avais besoin d'une pause, en fait. Et puis, avant, je sortais quand même pas mal de vidéos. Donc, enfin, bon, j'ai déjà fait une petite pause avant, c'était de 1 mois, c'est pas mal. Mais je sortais à peu près une vidéo par semaine, voire même deux. Donc, voilà, j'avais besoin de faire mieux. Grosse pause, oui, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, je vais reprendre les vidéos. Mais peut-être un peu moins parce que ça va peut-être me prendre plus de temps pour le montage, me filmer. Ok, et du coup, ben, je vais vous un peu vous expliquer par ce que c'est là, à quoi je joue, hein, parce que c'est mon nouveau, ben, un peu jeu préféré. En fait, c'est un peu un serveur Minecraft, mais qui est gratuit. Donc, en gros, il ne fait pas vraiment partie de Minecraft. Comme vous voyez, c'est les mêmes blocs terre, même blocs, enfin, les mêmes herbes et tout. Mais en fait, sur ce serveur, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y a beaucoup plus d'épées, de blocs. Regardez comme ça, d'armure, par exemple. Par exemple, si je tape Sword, regardez tout ce qu'il peut y avoir. De tout ça. Après, il y a aussi les casques. Par exemple, il y a du prototype. C'est, par exemple, si je tape là, regardez, hop. Et on peut aussi vendre des choses. Mais bon, là, ce qui est vraiment très très bien avec ce serveur, c'est qu'en fait, il y a des pays. En fait, ça reproduit la carte du monde. Et à chaque fois, en fait, il y a tous les pays du monde. Alors, bien sûr, on peut en créer d'autres. Et tout. Et là, je suis au spawn. Donc, en gros, personne ne peut me taper. Je suis safe. Mais par exemple, tu peux faire des guerres. Ou encore lancer des missiles. Ce qui est vraiment plutôt cheat. Hein. Vous pouvez aussi gagner de l'argent. Hein, parce que sinon, comment vous faites hein, pour ça? Vous pouvez aussi faire des pillages, créer des guerres. Par exemple, là, je vais aller en haut. Et donc, en fait, par exemple, il y a beaucoup plus de graines et de choses à cultiver. Donc, attendez. Ok, voilà. Par exemple, oui, aussi, il faut build. Donc, votre argent, par exemple, dans votre pays, vous avez les guerres. Donc, vous savez contre qui vous êtes en guerre. Donc, nous, c'est Java et Empire Corse. Diplomatie, avec qui vous êtes allié, etc. Les permissions des gens, par exemple, moi je suis officier donc j'ai plus de permissions que des membres, les recrues peuvent presque rien faire. La banque, donc l'argent là, on a 127 000. Dans le coffre, bah on peut mettre des trucs précieux. Après, on peut aussi déposer ou retirer de l'argent. Bon, il n'y a que le chef qui peut retirer, moi je peux déposer. Par exemple, les paramètres, ouais, bon, voilà quoi. Mais donc, oui, je vais vous montrer. Hop, oula, je me fais. Ah, oui, et il y a aussi un truc qui s'appelle le chisel qui vous permet de faire plein de blocs différents. Hein, c'est vraiment ultra bien. Donc, par exemple, hop, là, ici, ah, voilà, c'est là. Ok, on va prendre par exemple du sable des âmes et de la pierre. Et là, je fais un clic droit. Hop, je vais. Ah bah, ça marche pas avec ça. Super. Ça, vous voyez, tout ça, je peux le transformer en tout ça. Donc, par exemple, je peux le transformer en ça, le poser, le casser, et puis après, je peux le retransformer. Comme ça, easy. Donc, c'est super. Après, il y a autre chose encore. C'est que vous pouvez faire des machines. Donc là, moi, ça, c'est une imprimante. Ça, c'est un cogénérateur. Ça, c'est un compresseur. Et ça, un circuit fabricateur. Donc, c'est trop bien. Hein. Il y a aussi beaucoup plus de minerais. Et vous savez quoi? Vous savez, dans le Nether, il y a vraiment très peu de choses à faire à part trouver les nouveaux... dans le Minecraft normal, hein, bien sûr. Les nouveaux sortes de temples. Bah maintenant, on peut trouver beaucoup plus de minerais. Par exemple, on peut trouver de l'argonite. Alors, attendez, est-ce qu'il y en a? Alors, regardez, vous voyez, on peut faire des trucs comme ça. Par exemple, de la malachite. Ou encore de l'illuminati. Ah, oui, c'est pas la pyramide avec un œil. Hein. Quand même pas. Mais voilà.
Bon, par exemple, vous pouvez aussi trouver des. Comment ça s'appelle? Bon, voilà quoi, en gros, du Fireite, mais c'est assez rare. Ah, ok, voilà, regardez, là, c'est une nouvelle graine Coffee Seeds. Et vraiment, il y en a tellement. Il y en a, je pense, à peu près plus de 64. Vous pouvez aussi faire des fermes à fleurs. Regardez, une nouvelle Bean Seeds. Mais vraiment, c'est trop bien. Regardez, bon, les graines de blé, ça, c'est logique. Scallion, lettuce, ça, c'est du spice leaf. Donc, en gros, ça peut servir pour les drogues. Sauf que les drogues, il n'y a que les mafieux qui peuvent faire. Et pour ça, bah, faut demander. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ah oui, je vais vous présenter. Donc, en fait, une fois que vous l'aurez installé. Bon, si ça va bien, vous arriverez là-dedans. Okay, donc dans ça, c'est tous des serveurs, un peu, où il y a de la, où la carte du monde est reproduite dans chacun. Et moi, je me trouve sur le black. Ah, ok, c'est bon. Et bien sûr, il y a une limite de joueurs, hein, bien sûr, sur le black. Et je me situe en Thaïlande. Hein, et on peut, en fait, lancer des missiles, ce que j'ai fait. Ça, c'est autre chose. Et donc, en fait, bah, vous avez aussi des Ender Chests. Et j'ai mis ça. Bah, voilà, regardez. Par exemple, là, il y a de l'Eglant. Il y a aussi d'autres sortes d'arbres. Donc, il y a les Dragon Fruit. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve à Hong Kong, quoi, là, dans la sorte de pays dans lequel je suis. Il y a aussi, là-bas, je crois que c'est pour les cerises. Ça, je crois que c'est pour les pêches. Mais voilà. Ça, par exemple, vous voyez cette fleur, elle vous donne du lapis-lazuli. Donc c'est super utile. J'en ai plein dans mes coffres. Hop, et quand vous en prenez deux et que vous faites comme ça, hop, vous pouvez avoir des graines. Celle-là, par contre, elle vous rapporte de la poudre d'os. Et exactement pareil que pour les blue flowers. Une fois que vous en avez deux, vous pouvez en faire, bah, je veux dire, des fermes géantes avec des graines. Donc, par exemple, celle-là, attendez, hop, elle vous donne de l'encre et c'est exactement pareil. Hop là, j'ai des graines et je peux en faire plein de choses. On va récupérer, on sait jamais. Ah bah tiens, un petit squelette. Merci. Par exemple, les dragons, vous savez, les dragons de l'End. Bah, maintenant c'est, en fait, sur ce serveur, c'est ultra, bah. Enfin, c'est assez normal d'en trouver dans la nature. Et par exemple, vous avez aussi des warps, donc par exemple le slash warp end, ce qui vous téléporte à l'end du spawn, bien sûr, où, donc, où tout le monde peut aller. Et là-bas, par exemple, vous pouvez aller tuer plein d'Enderman, ce qui est plutôt logique. Vous avez aussi un chat où vous pouvez parler. Et vu que c'est un serveur, donc plein de gens y jouent, regardez, là, ce qui vient de s'afficher, c'est tous les gens qui y jouent. Et voilà. Donc par exemple ici vous avez l'Ender, bon ça faut laisser tomber. Hop, tiens. Poubelle. Hop. Bon. Donc un main, je la. What? Je les récup. Bon. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont incroyablement bizarres. Donc par exemple, vous avez aussi des parachutes. Donc en gros, avec un ripcord. Vous faites, vous sautez là, normalement je suis censé mourir, sauf que grâce au parachute, quand vous faites un clic droit dessus, ça vous permet de le mettre en route et donc bah, enfin en marche, et du coup vous pouvez voyager dans le désert. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous montrer par exemple juste un lingot de malachite parce que c'est vraiment trop beau. Alors, non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Attendez, c'est quoi ça? Bah, bon, je crois pas qu'il y ait grand chose dans cette partie. On va un peu continuer l'exploration. Et en même temps, je vais un peu plus vous expliquer. Je suis trop nul. Mais bon. Alors, il y a aussi par exemple, regardez, hop, si vous y allez, il y a tellement de machines par exemple. Il y a aussi d'autres blocs. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus comme bloc? Y a quoi, y a quoi? Ah tiens, y a des nuits. Ok. Non, balise, ça c'est pas nouveau. What? Étoile de nuit. Bon.
Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau bloc? Voilà, il y a un. Non, c'est pas nouveau. Mince. Raya. Ah oui, ok. Il y a. Attendez, mais. Voilà, par exemple, il y a du copper, du tin, du mithril. Ça, vous pouvez quand même en trouver dans les serveurs minage, comme l'adamantium. Après, il y a l'onyx, ça, c'est super rare. Après, là, voilà le fairite, c'est tellement beau. Regardez ces lingots. Ça, c'est malachite. Voilà, c'est tellement beau. Ça, c'est l'illuminati. Moi, j'en ai un lingot. Après, il y a le ashstone, ça, c'est bien aussi. Et l'argonite, voilà à quoi ça ressemble. Il y a aussi la Dragonstone. Bon, il y a, regardez, des loot box par exemple. Il y a tellement de trucs. Il y a des lampes maintenant, enfin, des trucs de malade. Par exemple, attendez, je vais chercher loot. Alors, il y en a une à 550, mais c'est un peu des box nuls, quoi. Ah, caisse de ravitaillement 1, lol. Allez, juste pour la vidéo et pour le fun, on va en ouvrir une. Ah oui, mince. Hop. Et super, j'ai dépensé énormément pour un truc pourri en fait. Bon, c'est déjà mieux que rien, déjà ça protège. Et donc comme vous voyez, c'est du prototype ce truc. Enchanté en plus. Donc vous pouvez vraiment avoir des trucs stylés. Bon là j'ai pas beaucoup de chance. En même temps, c'est une caisse de ravitaillement 1, mais ça peut s'élever à 5. Mais ça c'est seulement les gens qui ont payé un grade. Donc moi vu que j'ai pas le droit de payer, bah voilà quoi. Je suis obligé d'acheter. Et sniff. Bon, après, il y a mon chef, vu qu'il a acheté un grade, je sais pas si je pourrais lui demander des fois si je peux avoir un peu de proto, parce que si je suis obligé d'acheter à chaque fois, c'est un peu. Comment dire? Voilà, saoulant. Vous avez aussi plein de nouveaux enchantements. Enfin, ça, je suis pas sûr, mais bon. Voilà. Mais j'aimerais quand même trouver au moins un lingot, par exemple de Faerite, de Fierite. Bon, voilà quoi. J'ai eu vraiment très chaud. Voilà, ok. Alors. Hop là. Alors, peut-être que là, dans ce trou. Non, mais c'est interminable ce tunnel. Ah, là-bas, je crois qu'il y a un petit truc. Hop là. Donc en gros, il y a aussi des warzones, des endroits où vous pouvez les collecter. Y a, enfin, des sortes d'endroits où vous pouvez, comment on dit, les capturer. Et en fait, ça vous fait rapporter des bonus pour votre, comment ça s'appelle, votre pays. Par exemple, il y a deux warzones. Donc, juste pour ça, vous avez juste besoin de faire slash warzone. Par exemple, là, il y a la warzone bateau et la warzone pétrole. Donc ce qu'on fera, bah, il y aura des épisodes PVP, où en fait, le PVP c'est quand tu te combats, où j'irai en Warzone, et vu que je suis complètement claqué en PVP, je vais me faire démonter, mais bon, c'est une autre histoire ça. Et après, il y aura aussi des épisodes de farm, donc en gros, de farm, donc minage. What? 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 Attends. Attends. Je suis où là? Pourquoi ça ne veut pas marcher? Porqué? Porqué? Et pourquoi? Attendez, ça va, il va être là. Ah! Bon, ça glitch complètement. Donc, ok. Donc après, ah oui, je vous ai pas montré, mais avec le chisel, les roches. Ça peut être tellement beau, par exemple, ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Et regardez-moi cette beauté. Oh, mais vraiment, c'est trop stylé. Et là, à côté, hop. Et ça, c'est même pas la moitié de ce que. Des sortes de blocs transformés au chisel que vous pouvez faire. Vraiment, il y en a plein que vous pouvez faire. Après, il y a aussi des territoires à prendre. Bon, par exemple, là, what, il y a des claims. Normalement, c'est interdit de claim, je crois, dans les trucs comme ça, mais bon. On va juste aller voir. Et j'ai envie de savoir. Ah oui, non. Par exemple, vos pays peuvent avoir des territoires. Ce qui. What? Ah, stop là. Du coup, en fait, bah, ça vous permet de pouvoir construire à l'intérieur sans que personne puisse casser. Sauf si quelqu'un vous lance un missile. On la rip, hein. Mais sinon, bon, c'était relativement safe, hein.
Ah oui, et bien sûr, les cochons et les moutons. Oh, de la hache. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Si vous tombez sur ça, vaut mieux avoir une pioche efficacité fortune. Hein. Mais voilà. Si vous tombez sur des cochons ou des moutons, surtout prenez-les. Ne les tuez pas. Parce qu'en fait, vraiment, c'est super rare. Et si vous en trouvez. Je me casse. Bon, si vous en trouvez, bah, vaut mieux en faire des évals. Hein, parce que vraiment, c'est utile d'en avoir. Logique, en fait. Je pense que tout le monde sait ça. Hop là. C'est bon, la source est. Mais non, pas du tout, en fait. Ok, bon. Normalement, c'est bon. Enfin, si c'est pas bon, je râle un peu. Allez. Ok, c'est bon. C'est bon là, par contre, c'est vraiment. Bon, dans tous les cas, je me prendrai pas non plus des masses du type. En fait, si, mais c'est une autre histoire, ça. Parce qu'en fait, avec un full protosonde, donc le protosonde, c'est ça, vous voyez, prototype sombre. Si vous avez toute une armure de prototype sombre, vous avez une résistance contre le feu, et donc c'est super cheat. Mais bon, voilà quoi. Par exemple, vous pouvez aussi mettre des homes. Donc en gros, si vous faites slash 7, 7 home et que vous entrez la commande, vous aurez défini votre maison un peu. Et donc si vous faites slash home, vous serez téléporté là-bas, sauf si vous bougez, hein, bien sûr. Faut pas bouger pendant 5 secondes, ça va. Donc après, pour revenir dans son pays, c'est slash F home. Non, slash F home. Sauf que là, vu que bah, je peux pas me téléporter à mon pays parce que je suis dans un autre monde, donc oui, c'est logique, hein, l'univers, c'est pas le monde normal, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà quoi, en gros. Après, vous pouvez aussi acheter des spawners. Hop. Ah oui, il y a aussi plein de trucs comme ça en vente. C'est super cheat. Ah, spawner, attention. Là, il y a des chicken pour 4000, ce qui est relativement bien. Pig zombie, c'est super cheat, mais bon, je pense pas que le chef voudra qu'on dépense 10 000 pour ces trucs-là. Oula, moi j'ai super faim. Mais bon, en vrai, ce serait vraiment cheat. Donc, voilà, mais bon. Après, je suis pas sûr qu'il veuille, hein, mais. Donc, alors, là, j'ai en fait. Là, ce que j'essaye de trouver, c'est du Fireite. Donc, en gros, c'est. Comment ça s'appelle? Bah oui, c'est un minéral du Nether. Et en fait, ça se trouve souvent dans les trucs comme ça. Donc, oui, c'est assez cheat en vrai. Surtout qu'avec ma pioche, qui est tellement efficace. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais. Si ça se trouve, j'en ai cassé un bloc. Et je m'en rends même pas compte. Ah oh oui, bien sûr, attention, je vais afficher les chunks, mais ça va faire trop laguer. Donc, on va sortir de ce truc. Par exemple, moi, mon home, je vais enlever les coordonnées, hein, parce que si vous vous mettez à y jouer et que vous y venez, j'aurai un petit peu le seum que vous trouviez mon truc. Parce qu'une fois que c'est cassé, quoi. Et donc, en gros, c'est un spawner à Blaze. Et du coup, bah, en gros, là, hop, on peut les rush. Hein. On peut les rush. Et hop, attention. Ça. Voilà. Et donc, après, vous gagnez des bâtons Blaze, ce qui est logique. Et vous pouvez les revendre, par exemple, à l'HDV. Ça se vend. What? Bâton chocolat, lol. Blaze. Okay, je bug. Bâton de Blaze, bah oui, attendez. Alors, peut-être les powders. Non mais attendez, c'est pas possible. Blaze, mais what? Bon, c'est quand même très bizarre. Mais bon, je pense que j'ai un peu fait le tour des choses. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, mais vraiment, désolé si j'en ai pas fait depuis longtemps d'épisodes. Il y en aura un qui sortira peut-être aujourd'hui, un autre hein, épisode, où je ferai peut-être du PVP ou une séance de minage. Mais bon, voilà. Donc, bah,
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire. Et c'était Finish. À bientôt pour une autre vidéo.